plus en plus populaire et ce soir à la Galerie Lange TD dans le quartier des spectacles à Montréal, c'est plus d'une centaine de vins allemands qui sont à l'honneur avec la soirée Rasling & Co. Santé! Can you tell us more about the event? Yeah, it's called Riesling & Co. and that's an exhibition and tasting of about 30 German wineries who arrived today in Montreal for a tasting. We had a seminar with Véronique Rivest, the sommelier, for press and media, and we had also a trade tasting, and now there's a showcase. What can we experience tonight? We have different cépages de vin allemand. We have Silvana, we have Pinot Noir, because we grow a lot of red wine in Germany too. What do you think actually about the evening? I'm absolutely overwhelmed on how Montreal is accepting our event. The people are really appreciating the wines once they taste it, that's very important. We have a lot of dry German wines, which goes perfectly with food, with your Montreal cuisine. Qu'est-ce que tu nous fais déguster ce soir? Ce soir, les Charcutiers Pork Shop, on fait 5 sortes de saucissons secs en fait. On a le Leroy qui est au whisky et barbecue, Jack qui est champignon sauvage et 5 poivres, Lawrence c'est épice à steak de Montréal, Saverio vin rouge et fines herbes, et le Pépé qui est notre saucisson piment fort. Et où on peut vous découvrir à Montréal? On fait trouver nos produits dans toutes les IGA du Québec. On a aussi une centaine de points de vente indépendants à travers la province. Qu'est-ce que tu penses de l'événement? Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est cool. On s'attendait pas à ça vraiment, on n'était pas préparé, mais ça a l'air de bien marcher. Ce soir, on découvre les vins allemands. Qu'est-ce qui différencie un vin allemand des autres? L'Allemagne, c'est le pays le plus nordique où on cultive la vigne. Donc, beaucoup de vins blancs, le Riesling avant tout, et des vins qui sont d'une légèreté, d'une fraîcheur, d'une facilité à boire qui est presque dangereuse. Est-ce que ce soir, vous avez eu le temps d'en déguster plusieurs? Est-ce qu'il y en a un particulier qui a attiré votre attention? Ah, il y en a beaucoup. Il y a des vins qu'on connaît bien, mais il y a beaucoup de vins qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vraiment un moment de découverte. Mais je pense qu'avant tout, c'est de faire mieux connaître les vins allemands. Vraiment des vins tout à fait uniques qui ressemblent à rien d'autre, qui sont extraordinaires à table avec plein de mets, où on aurait du mal à trouver d'autres vins. Le petit sucre, en fait, vient enrober des saveurs épicées, des saveurs sucrées. Pour moi, c'est parmi les plus grands vins de table au monde. Et là, on ne peut pas passer à côté du fait qu'en 2013, vous avez été nommée deuxième meilleure sommelière au monde. Moi, je pense que la qualité de la sommellerie au Québec est tout simplement le reflet de la qualité de nos consommateurs, des gens qui sont de plus en plus intéressés, curieux, qui veulent en apprendre plus sur le vin. On est là, notre métier, c'est de les aider, de les accompagner dans tout ça. Et là, en terminant, qu'est-ce que vous pensez de l'événement? Bien, je trouve ça génial de voir autant de gens se pointer à Montréal pour un événement vin d'Allemagne, parce que c'est des vins que j'aime beaucoup, que je trouve qu'ils valent la peine d'être découverts, sont vraiment, encore une fois, très uniques, et je suis contente que les gens embarquent.